Donc bonjour et bienvenue en direct du lycée du Val d'Argent pour cette troisième édition de Filmer local, penser global. Donc le troisième plateau de la journée est consacré à la solidarité intergénérationnelle. Donc vous pouvez d'ores et déjà adresser vos remarques par le biais de notre site web ou encore par Facebook ou par Twitter. Donc nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Danielle Durand, qui est la directrice de la mission locale de Draguignan, une des marraines de la mission locale, Madame Morin, Madame Séverine Mérès, la responsable de secteur de l'association IDOM, accompagnée de Mathias Blanc, et lui-même assistant à Fréjus. Ensuite, nous avons Madame Karine Giraudingo, qui est la directrice de la maison de retraite Le Jas de Caillan à Roquebrune. Nous avons Monsieur Alex Loretta, qui accompagne donc Madame Karine Giraudingo dans son entreprise. Nous avons aussi Monsieur Fourest, qui est donc un filleul de la mission locale, du réseau de parrainage. Et nous avons aussi Madame Poutier, donc qui est une bénéficiaire de l'association d'IDOM. Donc tout de suite, nous allons commencer par un premier intervenant. Donc Madame Durand, donc nous venons de découvrir un reportage sur le réseau de parrainage et tout ça. Donc la mise en œuvre de ce réseau au sein de votre mission locale favorise-t-elle vraiment les liens entre générations? Bonjour. Je crois qu'effectivement, le réseau de parrainage, l'action de parrainage est un bel exemple qui illustre la solidarité intergénérationnelle, puisqu'il s'agit de personnes qui s'engagent bénévolement pour accompagner et faciliter l'accès d'un jeune qui est en parcours d'insertion, qui présente quelquefois des difficultés particulières d'accès à l'emploi et qui va lui aussi accepter, puisqu'il ne s'agit pas d'une obligation, donc de nouer cette relation et de se faire accompagner par ce parrain ou cette marraine bénévole. Donc je pense que là, on est vraiment sur de la solidarité intergénérationnelle. Je précise aussi que le réseau de parrainage existe au plan national. Il est mis en œuvre dans chaque mission locale à l'heure actuelle. Il existe depuis de nombreuses années. Il est soutenu par l'État et les régions, en tout cas le conseil régional PACA. Et c'est un outil supplémentaire développe et que met en place chaque mission locale, puisque les missions locales depuis 82 ont, j'allais dire, comme objectif et comme finalité d'accompagner et d'aider les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Merci. Et ces liens perdurent-ils lorsque le jeune a trouvé un emploi? Alors, il s'agit effectivement d'une relation qui va se mettre en place, un binôme parrain-jeune, fondé donc sur, j'allais dire, un engagement réciproque et qui va fonctionner, je veux dire, sur des principes qui sont la confiance mutuelle, qui sont l'écoute de la part du parrain. Et je crois que la réussite du jeune, à un moment donné, rend légitime la reconnaissance du parrain ou de la marraine. Et je pourrais vous citer comme exemple, puisque depuis 1997, la mission locale de Draguignan a mis en place, a créé localement ce réseau de parrainage. Une marraine me disant, il y a quelque temps, une marraine qui a parrainé pendant 10 ans dans ce réseau, en disant que ce lien perdurait au-delà, car le parrainage s'arrêtait. Elle gardait toujours des liens avec ses filleuls ou ses filleuls qu'il appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles et lui donner des nouvelles.
D'accord. Et où se situe selon vous, la solidarité entre les jeunes et les aînés ? Je crois que c'est la reconnaissance déjà et l'acceptation d'un jeune, d'avoir une personne qui... Bon, en général, les personnes ne sont pas toutes jeunes, elles ne débutent pas en carrière, puisque les parrains, par définition, les critères, j'allais dire, pour être parrain, c'est d'avoir... d'avoir une expérience professionnelle importante, donc une carrière, d'avoir donc dès sa fois, à la fois une expérience du monde du travail, des savoir-faire, être en capacité de guider le jeune donc dans son parcours. Et je pense que la reconnaissance, c'est aussi ce lien qui perdure au-delà du parrainage, et puis c'est la réussite aussi du jeune qui, grâce au parrain, grâce à cet accompagnement et cette relation, va pouvoir, j'allais dire, résoudre ses difficultés d'accès à l'emploi. Merci beaucoup. Donc nous allons tout de suite passer à un second intervenant. Donc c'est Madame Morin, qui est elle-même donc marraine à la mission locale, dans le réseau de parrainage. Donc je vais vous poser une question. Donc pourquoi vous êtes-vous engagée dans ce réseau et que vous apporte cet engagement ? Je me suis engagée dans ce réseau parce que j'ai trouvé que je fais partie d'une génération qui a eu beaucoup de chance. Il nous a été facile de choisir nos études, de démarrer dans la vie professionnelle. Et maintenant que je suis en retraite, je trouve normal de rendre un peu tout ce que j'ai reçu de la société. Et donc pour vous, il s'agit plutôt d'un échange ou d'une aide unilatérale ? C'est une aide, bien sûr c'est une aide, puisque on apporte notre expérience, on apporte notre carnet d'adresses, on apporte des savoir-faire, enfin pour donner de l'assurance, etc. Mais c'est aussi, moi je sais que je reçois aussi beaucoup des jeunes, parce que c'est un dialogue avec une génération qui est un autre univers que le nôtre, et donc... pour moi, c'est un voyage, une découverte à la fois de personnes, mais aussi de tout un mode de pensée, enfin de la génération, d'une autre génération. Merci beaucoup. Donc, donc Monsieur Fourest, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes filleul donc du réseau parrainage à la mission locale. Tout à fait. Donc depuis combien de temps êtes-vous sur ce réseau de parrainage ? Depuis décembre. Donc ça fait à peu près 6 mois. D'accord. Et puisque nous parlons d'intergénérationnalité, que pensez-vous apporter à votre marraine ? Déjà une vision de la jeunesse. Et de la difficulté aussi à trouver un travail au jour d'aujourd'hui, même diplômé, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc on va passer tout de suite à un autre intervenant. Donc ça va être Madame Mérès, responsable de service de secteur. Bonjour. D'IDOM à Draguignan. Donc Madame Mérès, au sein d'IDOM, engagez-vous souvent des jeunes pour vos bénéficiaires les plus âgés ? Oui, alors déjà IDOM, c'est une association de services à la personne, connue plus généralement par le public par Proxime Service Dracénie-Verdon. On intervient dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées principalement, avec beaucoup d'activités, dont l'internet à domicile. C'est le petit film d'ailleurs que vous avez pu voir tout à l'heure, le PIM, donc qui a été initié par nous. Et de ce fait, et de par l'activité informatique, ce sont des jeunes que nous employons, puisque c'est un métier qui est très 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 récent. Voilà, donc ça c'était pour le petit film tout à l'heure. Également, donc nos assistants de vie interviennent chez des personnes âgées pour leurs actes de la vie quotidienne. Ce sont souvent de jeunes personnes qui sont recrutées. Le métier d'aide à domicile est très ancien, il existe depuis très très longtemps, il a beaucoup évolué, mais il s'est professionnalisé il n'y a pas très longtemps. Donc, par conséquent, ce sont de jeunes personnes que nous employons le plus souvent. Mathias en est un exemple. Et il est venu aujourd'hui avec sa grand-tante, donc Mado Poutier,
pour lesquels il s'est passé quelque chose d'assez sympathique, parce que en plus d'avoir trouvé un travail, on a pu initier un petit peu, non pas créer parce que le lien est familial entre eux, mais on a pu renforcer un lien intergénérationnel, et c'est ce qu'on souhaite pour nos intervenants, d'avoir des liens privilégiés avec leurs bénéficiaires, et que nos personnes âgées pour lesquelles on intervient arrivent à avoir des liens et avoir des échanges qui souvent sont bilatérales. Tout à l'heure, vous posiez la question de l'unilatéralité. Ce n'est pas du tout le cas. Dans nos secteurs, chaque tranche d'âge est valorisée. La personne âgée apporte son expérience. C'est une histoire. La jeune personne ou l'intervenant apporte la nouveauté, le dynamisme, et peut l'initier à un tas de choses qu'elle n'aurait pas accès si elle n'était pas entourée de jeunes personnes. Je pense notamment à l'informatique. Et on se rend compte que les personnes âgées sont de plus en plus friands de réseaux sociaux, et que c'est par ce biais-là qu'ils arrivent à renouer des contacts. Merci. Donc, Mathias Blanc, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes salarié d'IDOM. Exactement. Le fait d'être payé, ne fausse-t-il pas vos rapports familiaux ? Ou au contraire, est-ce que le travail auprès d'un membre de votre famille n'est-il pas plus souple en parlant d'horaire, de tâches ? C'est plus souple, on peut dire que c'est plus souple, parce que il faut quand même prendre ça comme un travail, de toute façon, ça c'est sûr. C'est pas parce qu'on va chez quelqu'un, parce que c'est notre famille, qu'il faut y aller à la légère et qu'on peut y aller et puis rien foutre, si je peux me permettre. Mais néanmoins, c'est quand même plus souple parce qu'on les connaît, il n'y a pas cette première peut-être appréhension de débarquer chez les gens et de pas exactement savoir comment on va être reçu, parce que bon, on est jeune quand même, donc là évidemment ça peut être une petite appréhension pour les gens. Néanmoins, oui, c'est quand même un travail, et donc il faut être professionnel. Merci beaucoup. Madame Poutier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une bénéficiaire de l'association IDOM. Oui. Donc pourquoi avoir demandé à ce que Mathias, en particulier, vienne vous aider ? Je ne me rappelle pas avoir demandé, c'est lui qui s'est imposé. Non, c'est parce que c'est un très gentil garçon et qu'il est souple, il fait ce qu'on lui demande. Il travaille très bien. Voilà, j'ai rien à me plaindre, j'ai pas à me plaindre de lui. D'accord, merci beaucoup. Donc une précision à apporter par Madame Mérès. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mathias est le salarié de l'association. En aucun cas, il n'est le salarié de sa tante. Sa tante est au centre de notre relation, mais on a vraiment une relation triangulaire. Mathias avec Proxim Service, ou IDOM. Madame Poutier avec Proxim Service. Et entre eux, il n'existe que la prestation. Quant à la volonté de Madame Poutier de faire intervenir son petit-fils, peut-être est-elle plutôt réservée ou pudique pour le dire, mais moi je sais, Madame Poutier, qu'il vous tenait à cœur aussi que de plutôt faire travailler quelqu'un d'autre que vous ne connaissiez pas, autant que Mathias le fasse. Et ça, c'est vraiment une solidarité entre vous, entre les générations. Voilà. Merci beaucoup. Donc tout de suite, une autre intervenante, donc Madame Karine Giraud-Dingo. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Oui. Alors, vous êtes la directrice du foyer de logement Le Jas de Caillan. La directrice du foyer logement de Roquebrune, oui. Voilà. Donc, on va parler avec vous d'un projet. Des jeunes enfants. Voilà, un projet intergénérationnel, donc, voilà, sur la ville de Roquebrune, qui a été mis en place depuis le début de l'année, donc entre le service foyer-logement et le service sport, jeunesse et loisirs de la ville, donc où tous les mercredis, les enfants du centre aéré viennent au foyer-logement
pour échanger avec les personnes âgées. Et donc je rejoins un peu Madame Morin, je crois, qui disait pour leur apporter de la fraîcheur. Et puis on va parler aussi d'isolement, parce qu'on peut être en établissement et pour autant être isolé, avoir de la famille loin, ne pas avoir d'enfants. Donc c'est vrai, le contact avec les enfants, les ados, sont très importants pour la personne âgée. Donc nous avons aussi avec nous Alex Loretta, donc qui est un des animateurs justement de ces jeunes personnes. Oui, voilà. Donc est-ce que vous aviez déjà participé à un projet comme celui-ci ? Non, c'est la première fois qu'on travaille avec le Jazz Caillan. On voulait un petit peu changer des activités qu'on fait d'habitude. Donc on a voulu proposer ce projet intergénérationnel pour faire évoluer en même temps les petits du centre de loisirs et les résidents du Jazz Caillan. Donc en gros, ça va être les personnes du Jazz Caillan vont nous apporter leur savoir-faire par rapport à ce projet. C'était un projet potager en fait. Et les petits du centre de loisirs vont apporter leur aide pour faire évoluer ce potager. Donc voilà. D'accord, merci. Une question pour vous deux. Comment sont choisis les jeunes personnes autant que les bénéficiaires de cette action ? Ben, nous, au centre de loisirs, en fait, chaque animateur a son groupe. En fait. Nous, on a voulu faire participer les 6 ans. Comme ça, ça leur apprenait... Des bases pour leur vie future et après même la relation avec avec les personnes âgées et tout ce qui va avec. Donc nous, en même temps, ça nous aide aussi à connaître un peu les gens, même entre petits et personnes âgées, le relationnel. Donc nous, ça nous fait plaisir, voilà, ils sont contents, les petits, les résidents aussi, donc donc voilà, tout va bien. Alors nous, ça part d'un projet, donc un projet jardin général qui a été mis en place depuis 2 ans dans l'établissement. Donc un gros travail de l'animatrice et des résidents. Déjà des résidents chez nous qui sont un petit peu alloués au jardin, des jardins suspendus faciles pour eux à travailler puisqu'ils sont à hauteur d'homme. Donc ça, c'était déjà, on travaillait dessus. Donc le fait que Alexandre et Cindy, la directrice du centre aéré, nous proposent donc en plus l'action avec les enfants. Donc on a vraiment évolué sur le projet avec des semences, un suivi. Donc les résidents viennent d'eux-mêmes, donc un pour ceux déjà alloués au jardin et les autres pour le contact avec les enfants. Merci beaucoup. Juste une petite précision. J'excuse Virginie Clemente qui n'a pas pu venir aujourd'hui car elle s'occupe d'un petit garçon à l'école. Donc voilà, je l'excuse, mais elle aurait bien aimé venir pour aussi mettre sa part à cette vidéo. Donc voilà, merci. Merci. Donc maintenant, s'il y a des questions dans le public. Madame. Bonjour madame. Donc moi, j'aurais juste voulu savoir jusqu'à présent combien de personnes vous avez parrainées. Et est-ce qu'il est possible de parrainer plusieurs personnes à la fois aussi ? Oui, alors moi je suis à la mission locale depuis 1 an, donc j'ai dû suivre 4-5 personnes. Alors j'en ai eu 2 en même temps, mais bon, ils ont eu la chance de trouver un travail assez rapidement. Donc on peut en suivre plusieurs, mais pas vraiment beaucoup, parce qu'il faut être disponible, et puis on a une vie à côté. Je pense que 2 ou 3, c'est bien, mais plus peut-être on se disperse un peu, quoi. Une autre question peut-être dans la salle ? Je vais embêter Mathias. Hop. Bonjour Mathias.
Je vais t'embêter, Mathias, parce que en fait, je suis sa conseillère à la mission locale. Donc je confirme. C'est fortuit, on se retrouve là, on ne s'était pas vus depuis un petit moment. Et Mathias, peut-être tu développes un peu, peut-être par rapport à ton projet, justement, de l'aide et de ce lien que tu as avec l'autre. Bon, tu as choisi l'intergénérationnel avec, on est dans des tranches plus âgées. Mais voilà, ça c'est. Voilà, je t'embête un peu, Mathias. Je suis très contente quand même de te retrouver là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, non, c'est vrai que ça tombe bien que la mission locale, ça là, parce que c'est en effet grâce à la mission locale qu'on m'a parlé d'IDOM, de Proxim. Donc, ils font bien leur boulot, c'est bien. Et au début, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à domicile, donc tout ce qui est intergénérationnel. Mais c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir ce métier, en fait, simplement. Hein. C'est eux qui m'ont donné la possibilité de le faire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. C'est une chance de pouvoir essayer ça et peut-être découvrir une passion, presque, et apprendre des choses... grâce, oui, justement, au dialogue qui peut se créer entre les générations. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans le public ? Alors, bonjour, moi j'ai une question pour Xavier. Je voulais savoir si vous avez un exemple concret d'expérience personnelle pour laquelle votre marraine aurait pu vous aider, en fait dans votre vie. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un parrain qui assez, on va dire, très compétent sur plusieurs choses, en fait, qui a été anciennement un cadre dans le secteur bancaire, et c'est vrai que son aide m'est très très utile, surtout dans le domaine que je recherche actuellement, c'est-à-dire la vente et le conseil auprès des clients. Voilà, comme lui justement a été responsable de conseiller clientèle et de choses comme ça dans son secteur bancaire. Le secteur bancaire. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans le public ? Madame, bonjour, rebonjour. Est-ce que vous prendriez des gens en dehors de votre province de Callian ? Parce que moi j'habite Fréjus, je ne sais pas si c'est tout près Fréjus de Callian. Alors ce n'est pas Callian, c'est l'établissement s'appelle le Jas de Callian, mais nous sommes à Roquebrune, donc nous sommes voisins. Encore mieux, voilà. Oui, bien sûr. Et nous, écoutez, ça tombe bien, je n'ai pas amené de livret d'accueil, j'aurais dû. Non, vous n'avez rien, moi bien j'habite sûr, Fréjus. Nous privilégions, puisque nous sommes un établissement public, communal, les personnes qui habitent Roquebrune et les alentours, mais bien sûr les gens de Fréjus sont bienvenus. Donc j'aurai peut-être le plaisir de vous voir. Très bien, moi ça me fait plaisir aussi parce que j'adore la campagne, planter, replanter, les bêtes. Écoutez, les bêtes. Voilà. Donc en plus votre petit-fils pourrait continuer à venir puisque et donc je tenais à dire aussi, je disais à votre responsable, c'est rare d'avoir des auxiliaires de vie garçons et c'est très bien pour les personnes âgées. Les hommes ont un contact différent avec les personnes âgées. J'ai eu la chance grâce à l'association Sandra d'avoir un auxiliaire de vie et je trouve ça très bien. Donc il faut continuer, c'est très bien. Alors, je profite pour vous dire que Proxim Service peut également vous fournir des auxiliaires de vie hommes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il d'autres questions dans le public ? Voilà, je voulais savoir depuis combien de temps le réseau de parrainage ça existe pour Daniel. Jamais, c'est Daniel.
Alors le réseau de parrainage existe depuis plusieurs dizaines d'années, je dirais. C'est petit à petit développé. Il existe sur le plan national, ici sur Draguignan, depuis 1997. À la création et la mise en œuvre de la mission locale, on a, dans les mois qui ont suivi la mise en œuvre, on a démarré ce réseau de parrainage qui s'agrandit puisqu'on est passé... j'allais dire au départ de 5-6 parrains, hein, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on est à l'heure actuelle sur 15 parrains, une équipe de 15 parrains et marraines, hein, parlons aussi au féminin, puisque c'est un réseau composé d'hommes et de femmes, on a 15 parrains. Et vous parliez tout à l'heure de savoir combien un parrain ou une marraine, de jeunes, on va dire sur l'année, même si ça peut dépasser l'année, hein, ça va prendre un certain temps, quelquefois moins d'une année, quelquefois un petit peu plus. On est sur 15 parrains qui parrainent chacun entre 1 et 6 jeunes. On a effectivement des parrains qui donnent beaucoup, c'est fonction de la disponibilité de chacun. C'est en moyenne effectivement 1 à 6 au maximum, bah, 6 ça remplit déjà pas mal l'année. Et le parrain dont parlait le jeune homme tout à l'heure, ça s'appelle Monsieur Colomba, on peut le citer parce qu'il fait partie effectivement du noyau dur de l'équipe de parrain de la mission locale de Draguignan. Merci beaucoup. Donc je crois que du côté d'internet, nous avons une question de chat. Alors, j'ai une question d'Olivier dans le MUI. Dans les partenaires parrains filiales, est-ce que vous avez ressenti un fossé de génération ou au contraire une complicité? Je crois qu'il faudrait mieux demander aux jeunes. je dirais plutôt une certaine complicité, oui, entre le parrain et le jeune, oui. Ok, merci. J'ai d'autres questions qui sont venues entre-temps. Une question de Joseph de Roquebrune. Que pense le plateau sur la création d'un ministère de l'économie sociale et solidaire? C'est un peu hors sujet peut-être. Est-ce qu'on peut nous répéter la question s'il vous plaît? Bien sûr. Que pense le plateau sur la création d'un ministère de l'économie sociale et solidaire? Je sais pas trop, mais déjà, s'il y a création, il y a besoin et il y a peut-être aussi un peu stigmatisation. Et je sais que le gouvernement parle beaucoup, beaucoup, et pas que celui-là nouveau, l'ancien, mais encore l'autre d'avant, parle beaucoup, beaucoup d'intergénération, de solidarité, mais il faut bien comprendre les textes. Donc j'ai profité de cette question pour un petit peu éclaircir les choses. C'est vrai que tous les plans gérontologiques, qu'ils soient au niveau départemental ou nationaux, nous parlent de la volonté de créer de l'intergénération. Mais il faut bien le comprendre. En pratique, ce qui s'est passé, c'est que des établissements comme des foyers logements, des maisons de retraite, des associations, ont transposé ça à « il faut créer des activités autour du plus jeune et du plus ancien ». On est arrivé donc à faire des ateliers souvent très ludiques et d'ailleurs très intéressants, où on a mis en contact des centres aérés, des écoles primaires avec de personnes âgées. Or les textes, quand ils parlent d'intergénérationnel, ils parlent surtout de recréer une solidarité qu'on avait avant, c'est-à-dire au sein de la famille. Voilà, donc c'était juste pour le préciser, mais si un ministère est création, c'est qu'il y a quand même une stigmatisation de ces éléments-là et que c'est un besoin qui est réel, exprimé et qui est maintenant concrétisé. Merci beaucoup. Il y a une question encore publique. C'était juste pour repartir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que chaque marraine... On a le droit entre 1 et 6 jeunes, c'est ça? Enfin, pas le droit, mais... Donc voilà, et je voulais juste savoir si beaucoup de jeunes en bénéficiaient. Alors, je vous disais tout à l'heure, donc depuis 97, hein, donc on est sur la 16e année, on doit avoir à peu près une moyenne de 30 jeunes par an qui rentrent dans le parrainage. Donc on est à plus de 400 jeunes qui ont été parrainés depuis la mise en œuvre de ce réseau de parrainage sur Draguignan et le territoire de la mission locale qui comporte 33 communes. Hein, voilà.
Donc, quant au fait, c'est pas un droit, c'est, on a dit, le parrain et la marraine, c'est un engagement, mais bénévole. C'est-à-dire, si un parrain considère que parrainer un seul jeune et lui consacrer tout le temps qu'il faut, pour lui, c'est suffisant, il ne va avoir qu'un jeune qui va lui être proposé. Si certains ont envie d'en parrainer plus, effectivement, à ce moment-là, ils auront effectivement, ça peut aller 2, 3, voire, je dis le maximum quand même, 5, 6 par an, c'est déjà pas mal. Ça occupe, c'est un vrai temps partiel, je dis. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons d'autres questions de nos internautes. Alors, une question d'Émilie de Flyosk. Les bénéficiaires ont-ils confiance sur les jeunes venant chez eux? Alors, c'est vrai, surtout au début, qu'il y a toujours un a priori. Et je pense que dans 90% des gens, ils me demandent si on peut faire confiance aux personnes que nous employons. Alors, a priori, oui, bien sûr. Il y a quand même dans la législation le casier numéro 3, si je ne m'abuse, qui est demandé. Donc, on a confiance a priori, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est vrai, le métier souffre beaucoup, mais je pense que c'est plutôt du fantasme, de vol, d'abus de confiance, etc. Et si on regarde les plaintes qui ont été déposées, elles sont énormes. Au niveau national. Par contre, très peu sont aboutis. Voilà. Il y a une suspicion, il y a un manque de confiance, la confiance est donnée a priori, on essaye de la préserver. Ok, merci. Merci beaucoup. J'ai une question qui est venue de Marie-Thérèse, de Draguignan. Pardon. Ces actions sont-elles ciblées sur les personnes isolées qui n'ont pas de famille ou bien ouvertes à tous les seniors? Alors si la personne parle au niveau associatif, alors c'est ouvert à tous les seniors, mais pas que aux seniors. Les associations du type Proxim Service font également ce qu'on appelle des prestations de confort, dont l'informatique, l'assistance informatique peut faire partie d'ailleurs, fait partie. Il y a aussi des prestations quand ils ne dépendent pas d'aide institutionnelle comme l'APA, donc aide personnalisée d'autonomie, PCH, aide quelconque, on intervient chez des personnes bien sûr, on intervient chez tout type de public, mais la demande s'oriente particulièrement vers les personnes âgées. Donc au niveau du foyer logement, donc tout type aussi de personnes, avoir plus de 65 ans ou 60 ans avec une dérogation. Autrement, les personnes rentrent payantes ou pas. Donc si des personnes n'ont pas les moyens, il y a après des dossiers qui sont à monter auprès du Conseil général. Je pense à l'aide sociale. Donc ces personnes-là sont prises en charge par le Conseil général avec une récupération de ressources mensuelles. Donc oui, le foyer logement est aussi ouvert à toute personne. Valide et semi-valide, bien sûr. Merci beaucoup. J'ai encore des questions qui sont venues entre-temps. Donc Frédéric Lemuy, ces initiatives sont intéressantes. Mais en cas d'incompatibilité d'humeur ou d'incompréhension, que faites-vous? Alors, concernant l'action et le réseau de parrainage, hein, effectivement, l'animatrice du réseau, qui est une professionnelle, hein, qui anime ce réseau, qui va faire le lien entre les jeunes et le parrain, faire se rencontrer le jeune et un parrain ou une marraine potentielle, va déjà étudier le profil du jeune et celui du parrain aussi, sur son secteur professionnel. Enfin, il y aura différents critères qui vont être pris en compte. Maintenant, je dirais, c'est aussi, comme dans la vie, dans toute relation, en général, ça marche, mais ça peut aussi, quelquefois, quelques rares fois, ne pas marcher et devoir s'arrêter dans ce cas-là, effectivement, le jeune et le parrain arrêtent et éventuellement, donc le jeune, il lui est attribué un autre parrain ou une autre marraine. Mais je dirais que c'est quand même très, très rare. C'était une réaction, non?
ici, non ? Donc nous avons encore une question publique. Je vais m'adresser un petit peu à vous, hein, parce que bon, moi j'ai une question pour Mathias, je crois que c'est ça. En fait, j'aimerais savoir, parce que quand tu es payé en gros pour t'occuper une personne de ta famille, est-ce que ça te gêne pas trop, enfin est-ce que ça t'a pas trop gêné au début quand même, parce que bon, en général, quand on s'occupe de sa famille, c'est parce que c'est sa famille, et là tu es quand même payé par ta grand-tante, voilà, donc... Est-ce que d'un côté, t'as pas un petit, enfin, ça te dérange pas un petit peu ? C'est déranger, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que il faut s'y faire. C'est-à-dire, il faut réussir à passer outre. C'est après, il faut savoir que j'y allais bénévolement avant d'être engagé chez Proxime. Donc, disons que c'est une continuité. C'est-à-dire, ça me profite à moi et ça profite aussi également. À ma bénéficiaire, mais c'est vrai que il faut passer outre. Ouais. Alors, c'est ambigu, mais il faut savoir que Mathias ne perçoit rien de sa grand-tante. Sa grand-tante est prise en charge par ce qu'on appelle donc la PA, et elle paye l'association pour la part qui lui incombe. En aucun cas, Mathias et Mado n'ont des relations d'argent. Elles se passent entre nous, ces relations-là. Madeleine Poutier fait partie du portefeuille des bénéficiaires de Mathias. D'accord. Voilà, Mathias a un salaire fixe, il va chez n'importe quelle personne, c'est un salaire global qu'il ne perçoit. Il ne perçoit pas le salaire pour aller chez Mme Poutier, le salaire pour aller chez Monsieur X, etc., etc. C'est un salarié de l'association. Le rapport d'argent entre eux n'existe pas. Il existe entre Mme Poutier et Proxime Service. Merci. Moi, j'aurais aussi une question. Est-ce que Mathias suit plusieurs personnes, accompagne plusieurs personnes, ou est-ce que c'est sa seule cliente, entre guillemets ? Alors, Mathias est venu chez nous au mois de juillet, donc sous les conseils de Mireille. Et c'est vrai qu'au début, déjà, rien que le fait que ce soit un garçon, il m'a un peu intéressé. Et en l'interrogeant sur ses compétences, il s'est avéré qu'il se sentait de faire une petite cuisine familiale pour une personne, pour un couple de personnes très dépendantes, tous les jours de la semaine, le midi, le soir. Et Mathias était aussi disponible le week-end. Donc, bien sûr que Mathias m'intéressait. Ensuite, il a montré par son travail qu'il était capable d'autres choses et même des tâches qui sont plus dans l'esprit des gens confiées à des femmes comme le ménage. Il est venu me voir en me disant « Mais tu sais, moi je veux bien faire aussi l'entretien ménager. Ce que je veux, c'est un travail, un emploi avec des horaires assez conséquents. » On lui a donc confié petit à petit des mutuelles, puis est arrivée sa tante et il va maintenant chez des bénéficiaires un peu plus dépendant, toujours dans le cadre de prise en charge. Et c'est plus une prise en charge globale que Mathias effectue chez nous, des personnes chez qui il va. Voilà. Je dois avoir, quand même maintenant, pas mal de bénéficiaires, en effet. Mais ce que j'aime à dire, c'est simplement que je fais un petit peu tout ce qu'on me demande avec le sourire. Donc, voilà. Peut-être une autre question publique ? Une question chat. Donc, j'ai une question de Jérôme Omui concernant l'exemple de Rock Brune. Qui a eu l'idée ? Donc, comme je l'ai dit, donc, nous faisons partie de la même maison, puisque c'est la ville de Roquebrune avec des différents services. Là, à la base, c'est le service jeunesse qui est venu vers nous, vers le foyer logement. Mais ce n'était pas la première action qui était faite, puisque déjà le foyer venait et nous allions aussi pour les spectacles de fin d'année. Donc on se connaissait déjà. Oui, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était juste pour un petit peu changer, évoluer entre les générations. Et voilà, donc nous, ça nous a porté autant que les résidents du Jaskaya. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc vous aviez une question peut-être ? Oui, je voudrais parler de
la solidarité chez les jeunes. Je pense que ce sont des valeurs qu'ils ont en germe. Hein. On parle beaucoup dans les médias de ce qui est le contraire peut-être, hein, d'une génération avec des comportements qui ne sont pas justement ceux-là. Mais je crois que la jeunesse est porteuse de ces valeurs et qu'elle est présente quand on la sollicite et quand ça a du sens aussi. Et je crois que tous les exemples qu'on a là sont effectivement des exemples où les jeunes... Je vais vous donner un exemple. En 2008, on a monté un projet à la mission locale justement sur l'intergénérationnel et la solidarité. Il s'agissait d'intervenir donc un groupe de jeunes mission locale à la maison de retraite du Malmont en plein été, c'est-à-dire période où on a peut-être plutôt envie d'aller à la plage. Ça s'est fait et on a eu quand même la surprise de voir que les jeunes non seulement étaient très engagés dans cette action, mais en plus ils en faisaient plus que ce qu'on leur en demandait. C'est-à-dire, il y a vraiment, je pense, ces valeurs en germe dans la grande, grande majorité, dans quasiment toute la jeunesse. Il s'agit peut-être de les aider à trouver les opportunités, de les guider un petit peu. Là, on en a de très beaux exemples. Et je crois que dans la génération, j'allais dire les générations au-dessus, notamment chez les seniors, il y a aussi, j'ai dit une partie de la vie passée, après des expériences, l'envie aussi de donner et d'être solidaire, cette fois-ci, vis-à-vis des jeunes. Et je crois que ces deux générations sont faites pour se rencontrer. Il s'agit des occasions qu'on doit démultiplier pour pouvoir les faire se développer. Merci. Nous avons une autre question publique. Voilà, juste, c'est un peu pour tout le monde. Je vous avoue que moi, ça me frustre un peu d'entendre que la solidarité, on a besoin d'argent pour... Enfin, apparemment, t'es payé pour rendre des services à cette dame, et enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, la solidarité, comme vous venez de dire, c'est germé, enfin, c'est quelque chose qui devient normal, je pense, non. La contact avec les personnes âgées, mais même pas avec les personnes âgées, avec... Tout le monde, c'est un geste... Enfin, ça me frustre un peu, je comprends pas tout, quoi. Alors, on comprend parfaitement ce que vous dites. Alors, il faut savoir que la solidarité évolue. Enfin, le mode... Avant, les familles naissaient en un lieu. Ils vivaient ensemble jusqu'au bout. Maintenant, les choses ont changé, l'économie a changé, les mentalités ont changé, les enfants font des études. Les femmes, peut-être même bien plus que les hommes, elles quittent un petit peu le milieu familial. Elles ne sont plus dans leur village, dans la ville de leur naissance. Alors, elles ont beaucoup moins de rapports, en tout cas, elles ont encore de bons rapports, mais plus de rapports quotidiens avec les aînés. Il faut bien pallier à ce manque. Et ça, c'est un peu nouveau à l'échelle de notre société. Et même si, comme donc Madame disait, cette solidarité est dans nos... Elle est en germe, voilà, c'est une expression qui est correcte. Mais il faut quand même, pour faire pousser, mettre un peu d'eau. Et nos associations, ben, c'est ça. Voilà. Ok, parce que... Le rapport d'argent, en fait, dans cette affaire, est annexe. Madame Poutier a besoin d'un service à domicile. Son petit-fils, il se trouve qu'il travaille dans une association de services à domicile. Alors, on fait travailler son petit-fils plutôt que de faire travailler quelqu'un qu'elle ne connaîtrait pas. On est dans une solidarité un petit peu renforcée. Ouais, après, ouais. C'est pas son petit-fils, d'ailleurs, c'est son neveu. Oui, Mademoiselle, je comprends très bien ce que vous dites. Il y a aussi la solidarité qui n'est pas monnayable. Mais dans ce cas... C'est les deux à la fois. Parce qu'une fois, j'avais dit non, je ne peux plus, etc. Bon, mais il est venu quand même m'aider. Vous voyez, il a ça en lui. C'est quand même une chose qu'il faut aussi allier un peu à la générosité de cœur. Je voudrais aussi préciser pour mademoiselle qu'on n'arrive pas dans ce métier par hasard. Il faut avoir des valeurs aussi. C'est pas un travail à la chaîne. On a affaire donc à des êtres humains qui ont un vécu pour la personne âgée. Il y a un respect à avoir aussi, puisqu'on ne rentre pas chez une personne. On a parlé de peur, de vol, etc. Mais d'abord, il faut savoir pour un parrain ou une marraine, pour un filleul, il y a un contact humain
Donc ça, je pense que c'est important, et un respect de l'âge. C'est vrai que quand on vieillit, on perd certaines facultés. Donc c'est pas monnayable, mais quand même c'est un travail, c'est un métier, comme une infirmière, une aide-soignante, c'est un métier. Et avant tout, c'est un travail de lien aussi. Donc voilà. Moi, j'aurais envie d'ajouter. Oui. Je crois qu'il y a aussi un aspect là, dans la relation d'aide, là, c'est que c'est du professionnel, quoi, hein, et peut-être que pour Mathias, c'est dans une époque de sa vie où ça correspond à son projet professionnel actuel, peut-être que ça va déclencher peut-être une envie de se professionnaliser à un autre niveau. Enfin, c'est, y a du bénévolat et puis il y a du professionnel qui est provisoire ou définitif. Et je pense que le lien d'argent, d'être payé pour faire quelque chose, c'est une autre dimension et c'est aussi une valorisation personnelle de le faire, et bien, parce qu'on mérite son salaire et on veut honorer aussi l'argent qu'on nous donne. Merci beaucoup. Donc nous avons encore des questions de chat de nos internautes. Tout à fait. D'ailleurs, merci pour leur grand intérêt. Donc j'ai une question de Manuel Dumuy. Est-ce que Madame Poutier, elle aurait préféré une personne jeune ou plutôt âgée avec elle? Enfin, plus expérimentée. Adulte, oui. Voilà, tout à fait. Je vais répondre avec humour, monsieur, parce que ça demande un peu d'humour, cette question. Alors, étant une femme cougar, je préfère un jeune. Merci beaucoup. Y a-t-il encore des questions publiques ? Non, non, mais en fait, c'était juste pour... parce qu'aujourd'hui, l'économie, ça prend le dessus sur tout. Donc, je suis d'accord aussi que c'est un beau travail. Hein, j'enlève pas le fait. C'est juste que c'est vrai qu'on est arrivé dans une société où la solidarité, c'était du bénévole. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait. Alors que maintenant, c'est vrai que c'est un travail, c'est un métier d'avoir un lien avec les autres, avec les personnes. Il y a une sécurité. Mais du coup, comment ça se passe pour par exemple, les personnes âgées qui ont besoin d'aide et qui sont qui n'ont pas d'argent, beaucoup d'argent, ou sortent... Alors, à partir du moment où on a 60 ans, à partir du moment où on va être dépendant, quel que soit d'ailleurs là le critère d'âge, il existe un tas de mesures sociales qui permet aux gens d'avoir les mêmes services que ceux qui ont plein d'argent. Voilà, peut-être pas au niveau du volume horaire, mais en tout cas sur la qualité de service. Il a un niveau aussi supérieur. Et il est à un tournant de sa vie à un moment donné et il fait des choix. Et là, pour l'instant, effectivement, il les fait. Et je pense qu'il les fait au départ. Il était peut-être pas conscient, je sais pas, tu me le diras, mais il était peut-être pas conscient qu'en allant vers les personnes plus âgées, il trouverait un espace dans lequel il y aurait une dialectique pour lui, hein, une réflexion, une dialectique et un retour pour lui. De se positionner dans cette société, voilà. Mais Mathias ne restera peut-être pas forcément auprès donc des personnes âgées dans ce statut-là, hein, d'aide à domicile, mais sûrement il ira plus loin. C'était un petit peu, voilà, ce travail-là. Tu sais, vous êtes encore jeune, vous êtes en seconde. Mathias, lui, était presque aussi jeune que vous, même s'il avait un bac plus 2. Et il se pose ces questions-là. Qu'est-ce que je vais faire dans cette société? Comment je vais m'impliquer dans cette société? Et je pense que c'est par le biais de l'intergénérationnel qu'il prend ce temps de se poser. Voilà. C'est ça? Une question ou une réaction publique? Encore moi. Moi, j'ai une question pour Rocco Brune, en fait, parce que j'ai entendu parler qu'une heure de lecture est égale une heure de permis, c'est bien ça? Une heure de permis payé? Alors là, c'est une deuxième action donc menée par la ville. Donc je vais en parler, mais je ne suis pas moteur. Nous sommes bénéficiaires aussi, puisque moi, dans mon projet d'établissement, c'est l'ouverture générale, donc l'ouverture aux autres.
Donc, dans ce cadre-là, le service jeunesse a mis en place, la ville de Roquebrune a mis en place le portefeuille permis, je crois que ça s'appelle comme ça. Une commission qui se met en place pour les jeunes de la commune. Il fixe le nombre d'heures d'action à mener et le jeune a une enveloppe pour passer le permis, tout à fait. Donc nous avons eu 3 jeunes qui ont fait pour chacun 35 heures de bénévolat en action intergénérationnelle auprès des résidents. Donc là, c'est vraiment des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, des jeunes qui ont un projet professionnel et ça a été vraiment un très très bon retour par rapport à ça. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier les internautes et le public pour leur participation. Je vais vous demander peut-être de faire une petite conclusion par rapport au sujet d'aujourd'hui. Voilà, on va faire un petit tour de table. Écoutez, j'ai rien à dire, c'est que c'est quand même très intéressant. Allez, qu'est-ce qui fait rire ce jour-là ? Bon, c'est quand même intéressant d'échanger comme ça, de savoir ce que les gens pensent et ce que... Ah oui. Ah voilà, c'est mieux. Intergénérationnel, c'est quand même important parce que c'est un peu une coupure entre les jeunes et les vieux, disons, n'ayons pas peur du mot, hein, moi ça ne me gêne pas. Donc, ça valait la peine, cette petite réunion, n'est-ce pas ? Oui ? Pas mieux. Oui, moi aussi, hein, c'est vrai que... moi, je trouve que l'intergénérationnel s'était un peu diversifié et maintenant, peu à peu, on essaye de reprendre le dessus, faire des bonnes relations entre guillemets les deux mondes. Et donc, du coup, par rapport à ça, tout le monde peut avancer et le monde, tout le monde. Voilà. Donc moi je suis ravie d'être venue sur ce plateau, c'est vrai que je ne connaissais pas trop, j'ai appris certaines choses, je ne connaissais pas le fait d'être parrain et tuteur et neveu ou filleul, voilà, je ne connaissais pas du tout. Je suis ravie de voir donc ces deux dames qui reflètent bien la personne âgée, pétillante, souriante, voilà, super. Alors déjà merci aux intervenants, au public pour l'intérêt porté au sujet. Merci particulièrement donc à M. Poutier, à Mathias. J'ai dit en début de semaine, venez, on va faire un plateau télé. Point, ils sont venus ici, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, ni dire, etc. Donc bravo. Bien, mais moi je trouve utile de pouvoir valoriser ces fonctions bénévoles de parrain. Et aussi le bénéfice pour les filleuls. Et au-delà de ça, je crois qu'on l'a dit d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, je voudrais insister là-dessus, on vit dans une société cloisonnée au niveau des générations, hein, puisque la cellule familiale, effectivement, a éclaté, en tout cas au niveau au moins des générations. Les jeunes et les seniors, bon, n'ont pas... plus peut-être suffisamment spontanément à la maison l'occasion de se rencontrer. Je crois que susciter ce lien, le permettre effectivement qu'il se diffuse, qu'il se démultiplie à travers différentes actions, que ce soit dans le cadre du parrainage et dans le cadre d'autres cadres associatifs, je dirais qu'à partir du moment où ça a une utilité, un sens, on a gagné et c'est bien de pouvoir le valoriser. Et les jeunes peuvent effectivement poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils ont besoin effectivement d'informations. Ils l'ont fait un petit peu aujourd'hui. On est toujours à leur disposition aussi en dehors de ce plateau pour pouvoir en parler à nouveau. Donc merci beaucoup et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc je remercie bien évidemment l'équipe du chantier Résine et tous les participants du lycée Val d'Argent qui nous ont permis d'échanger autour de ce débat. Je remercie aussi chaque participant. Merci d'être venu et merci à vous, au public et aux internautes. Merci beaucoup.